Back the globe continues now. Many foreign business owners have closed shop and fled the Zeerust in South Africa's northwest province. This after coming under attack from locals who accuse them of drug dealing. Well, the Congolese Solidarity Campaign has dismissed the allegations as unfounded. But locals here insist the foreigners are indeed responsible for a criminal element within the small town and held a protest march earlier today. Fearing for their lives, some of these foreign nationals are hiding in nearby mountains, armed with only blankets and water. It follows attacks by locals over the past 3 weeks who accuse them of drug dealing. The Congolese Solidarity Campaign has called on government for support. This is a xenophobic attack. I plead with the government to work on it because we are innocent. We are innocent. We are pleading the government to respond very fast before people they lost their lives. Yeah, even the police also they should do their job. They should do their job. Please, we are innocent people. People are running saloon in Zeerust. We are innocent, and I say it again, we are innocent. We are not dealing with drugs. We are not buying stolen things. We are not doing crime in Zeerust. I'm here almost 14 years in Zeerust. I haven't do any such thing. Because these people, they are beating us and we are not happy, even if we are foreigners. And we can see our child, the way we are suffering with them. It's not good. 38-year-old Jackson Masikira, a father of four, said they fled from the Congo a year ago because of the ongoing war. Now they are simply disillusioned. Our family, when I arrived here, I thought maybe here is a very peaceful country, but I found that it's still the same situation. People, they've been beating us every night. And we decide now every night to come and sleep in the forest. What that is not good for the healthy, for as a human being, even for the kids. Locals have established the so-called Enough is Enough movement, alleging to have found illegal substances in the foreigners' homes. We've come to realize that this issue is bigger than we thought. So as the community of Zeerust, we don't want to be seen or sound as we are being xenophobic to the foreign nationals. They are our compatriots, but if they sell drugs, we will not allow and accommodate them within our society, in Zeerust in particular. Officials from the municipality, NPA and police accepted the memorandum and undertook to respond within 7 days. I am Zebulon Maine, SABC News. Explique un peu à nous qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous vous présentez, ce que vous faites, votre rôle dans la communauté congolaise. Je suis maman Marie-France Nguele. Je suis membre d'un groupe politique ici en Afrique du Sud qui est NIC, c'est-à-dire que nos nouvelles initiatives pour le Congo. Vous avez constitué une délégation pour aller assister nos compatriotes congolais qui ont été victimes et qui sont victimes, s'il faut le dire, de la xénophobie. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et qu'est-ce que vous aviez fait? Oui, nous sommes allés à notre ouest province. Là, nous avons trouvé nos frères congolais et sœurs. Oh, surtout les mamans. J'ai eu pitié vraiment des mamans qui étaient victimes de xénophobie de l'autre côté. Je les ai vus, je suis témoin et j'ai des vidéos pour eux. On les a tabassés, on les a agressés. Il y a d'autres gens qui étaient même victimes. Leurs enfants étaient... On les a violés, quoi. Ouais. C'est très triste. After tomorrow. Yeah. After tomorrow. Que communauté congolaise et où tu na Johannesburg bah sensibiliser bah yé on a pu parler avec eux tout la katar mukolango à minuit na 4h du matin tout la mukaki na professeur Jean Boissa tout kenaki si kona ngomba wana ou ya photo s'est apté c'est ta photo ti tout kenaki na
tolamuki na 4 heures du matin, tomati na ngomba na oyo bato na mutozaki éclaireur na biso, c'était le frère Benjamin wazakuna na na Ziras. Frère Benjamin na et kamisaki ngai mbala liboso na matangomba ngo na butu ya mbangu mbangu, c'était interdit. Parce que dans Gombana, il était dit que non, à partir de Makamwana, et Bimisaki, image mabé pour le peuple sud-africain, ou Yaziraste. Baboyaki Batouana. Mais nous sommes organisés, arrangés, tout kinek dans Gombana, à 4 heures du matin, tout zomata. Nous avons dit que nous avons vitesse, nous avons compris, nous avons dit que depuis 96, à Messala, nous avons depuis l'entrée à FDL. Komatana tomatiti na likolo tokuti batumbaki yango batumbi esika wana. Alors ça a été pour nous vraiment un choc. On a quitté la montagne vers 7h moins, depuis 4h du matin. Tandaka na période ya Mali Liboye eza Molili tokiti, on est rentré, on a commencé la réunion à 9h moins, parce que déjà ma camarade qui moi ebélé. Parce que bah tout haut bah misaki bilongi na bango na média balaki bango que non vendredi au eleki bah ya kusukusa bango sous problème. Alors tout kinesse sous sa sous réunion, après réunion on a fait une réunion qui nous a pris presque pratiquement 6h à 7h. Tout le monde a tout été dit bah officiel sous bah police pour n'importe bah quoi assurer sécurité. Y a bah ndeko auto tangi frustration. Il est mieux nazonga na mboka na ngai atake bitumba masizali mena kolia awa eza passé. Awa eza passé. Voilà, je crois que vous comprenez quand même ce qui s'est passé. Le frère était là, délégation bazala kikuna. Eza ma passé. Papa Jean Boissa, je crois que vous avez une réunion. Tout le monde jusqu'à toi, ça va vu pour la bande de copains, ça bisou que réellement bande de congolais bazana c'est y a menace attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, comme le frère l'a dit, il est aussi important que nous puissions relever le fait que l'attaque a commencé depuis le 30 juillet et au 31 juillet, cette attaque est devenue pratiquement insupportable, à telle enseigne que nos frères et nos sœurs étaient dans l'obligation de se réfugier dans les montagnes dont le frère Guigui vous a parlé. Mais nous devons aussi tirer en substance le fait que depuis le 30 juillet et le 31 juillet, les rapports que nous avions reçus du révérend pasteur Raphaël Baébois avaient fait que nous envoyions ces rapports au niveau de la présidence de la République sud-africaine. Et nous avions reçu des réponses de la République sud-africaine, de la présidence du moins. Mais aussi, nous nous sommes dit que chaque fois nous faisons les choses de notre manière. C'est pour ça que le bureau de la DCCSC avait entrepris, à mon sens, un rapprochement avec l'ambassade qui est notre représentation de tutelle. Et cela a été positif. Nous devons mettre l'accent là-dessus. Et avant de partir à Ziraste, nous devrions, parce que les événements sont très chauds dans ce pays, on doit comprendre cette chose, et nous devons reconnaître que malgré le fait que nous puissions aimer ou ne pas aimer notre autorité morale, nous devrions quand même les aborder. Et nous avons été reçus à l'ambassade qui a vissé le document de la DCCSC qui nous a permis d'aller à Ziraste. Et c'est comme ça que lorsque nous avons présenté le document auprès des autorités sud-africaines, il y avait quand même un certain poids qui nous était accordé. Nous disons merci au bureau de l'ambassade et à monsieur Ben Poko. Certaines personnes pourraient être en ce moment être contre, mais je crois que quelque part nous devrions essayer de rétablir une relation avec le père de famille. Les gens sont généralement très sceptiques par rapport à l'entendement que nous pouvons avoir une relation avec les autorités de notre pays, compte tenu des difficultés que nous avons toujours connues. Mais ici, il ne s'agit plus de politique, il s'agit d'un besoin humanitaire qui était criant et que nous devrions aller, nonobstant les circonstances, essayer de connaître. Je sais que vos minutes sont menues, mais je pense qu'il est impératif que nous puissions vous donner un bref de ce qui s'est passé. Comme le disait le frère Guigui, nous sommes arrivés à 18h,
30, dû à certaines circonstances et des péripéties qui n'étaient pas de notre ressort de comprendre, mais ce qui devrait être fait a été fait. Nous sommes arrivés à 18h et nous sommes tombés immédiatement dans une réunion avec les représentants de du HCR qui étaient présents. Il y avait une dame et un monsieur et nous avons écouté au premier abord tout ce qui se disait et comme disait le frère Guégui, il y avait une telle frustration de nos frères congolais et de nos sud-africains compte tenu des sévices et des sévices. Ils ont été victimes de beaucoup de violences sexuelles même, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas se taire là-dessus. Il y a une jeune fille de 5 ans qui a été violée et la personne a été appréhendée, mais malgré son appréhension, la famille de la personne est en train de menacer notre frère. Et comme vous le savez, cette menace n'est pas seule parce qu'on est en train de faire intervenir toute la communauté eu égard au point de la xénophobie. Et lorsque nous disons xénophobie, nous devons faire deux points très importants. On a été accusé d'être des vendeurs de drogue. Si nous disons non, ça serait mentir parce que les réunions subséquentes que nous avons tenues avec les responsables de la police, notamment le cluster commander, le colonel Kausa, il nous a confirmé qu'il y a un Congolais, moi j'aime dire la vérité parce que je pense que la vérité libère, il nous a dit qu'il y a un Congolais qui avait été appréhendé avec de la drogue, donc ce Congolais est aujourd'hui incarcéré et comme vous le savez, lorsqu'on incarcère un Congolais et dans un pays qui n'est pas le nôtre, ce qui s'est fait c'est que la communauté a généralisé le fait, ce que lui appelle blanket approach. Et dans ce blanket approach, les gens se sont actuellement déversés sur tous les Congolais, les coiffeurs en général, parmi le eu égard au recensement que nous avons fait sur la place, nous avions juste trouvé 3 médecins, quelques gardes de sécurité et quelqu'un qui travaille dans un garage, mais le reste ce sont des coiffeurs et des coiffeuses qui peuplent cette contrée qu'on appelle Zirest, qui est une petite bourgade, mais une petite bourgade qui vit. Et le commandant aussi surenchérit pour dire que depuis 17 ans certainement, ils vivent avec la communauté congolaise et ils n'ont jamais eu de problème. Et juste une personne qui vend de la drogue ne peut pas compromettre les relations qu'ils ont eues avec la communauté congolaise. Et ipso facto, il nous a garanti lors d'une entrevue de près de 2 heures ou 3 heures jusqu'à 17 heures qu'ils feraient de leur mieux pour rétablir ce qu'ils appellent ici le peace building. Et ce peace building, en l'occurrence, il nous a aussi soulevé le fait que les frères congolais, lorsqu'il y a un problème, ils n'aiment pas aller auprès de la police porter plainte. Et cela créait une difficulté pour eux pour suivre les dossiers. Ce qui fait que nous étions obligés de tenir une réunion avec nos frères et leur dire qu'en cas de menace, la première chose à faire, c'est de ne pas fuir dans les montagnes, ce qui donne l'occasion à la communauté de pouvoir les suivre et de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais plutôt d'aller au poste de police. Et jusqu'à 17h, nous étions avec les 2, 3, 4 frères qui étaient menacés par la communauté, eu égard au fait qu'eux, ils avaient fait des interviews dans les médias, mais ces interviews n'avaient pas été rendues opaques. On pouvait voir explicitement quelle est la personne qui a passé l'interview. Et parce qu'on voit cette personne-là, la communauté les a ciblés et est prête, elle est prête, cette communauté, à en découdre avec nos frères et nos sœurs. Mais je crois que le commandant nous a, quand nous quittions à 18h, il nous a rassuré que lui ayant été avec les Congolais pendant plusieurs années, le jeune homme qui était avec nous d'ailleurs dans la délégation l'a coupé les cheveux depuis 17 ans, le pasteur Papi. Donc il nous a dit qu'il ferait de son mieux au fin de pouvoir sécuriser ces gens et même les propriétaires des maisons
qui hébergeait des étrangers. On ne devait pas les menacer. Et ce matin, je vous dis ce matin, nous sommes le 1er septembre, lorsque nous avons conversé avec eux, ils nous assurent que la police et d'autres agents de sécurité sont en train de tourner autour de ces maisons-là. Et ils ont prévenu les propriétaires de maisons de ne pas chasser les étrangers parce que lui, il a voyagé pendant la période de l'apartheid et il croit que en tant que Africains, nous devons vivre comme des frères plutôt que comme des ennemis. Si, pour surenchérir et clore ce propos, le rapport détaillé vous sera fourni en lieu et temps utile. J'aimerais juste épingler le fait que un penseur américain, notamment un défenseur des droits humains, en l'occurrence Martin Luther King, disait ceci: que si nous ne nous aimons pas tous et que nous nous détruisons, c'est que nous allons mourir comme des idiots. Donc il est temps, en tant qu'Africains, que nous puissions aujourd'hui, les Sud-Africains, les Congolais, les Somaliens, que nous puissions bâtir des ponts pour qu'il y ait une entente entre les différentes couches sociales africaines. Parce que les rivières, les montagnes et les frontières, ce sont des choses qui sont artificielles, qui nous ont été amenées non seulement par la colonisation, mais que nous avons nous-mêmes, en tant qu'Africains, renforcées dans notre égoïsme. Donc je voudrais juste clôturer là-dessus pour dire qu'en tant que frères, nous devons d'abord nous aimer en tant que Congolais et comprendre quel est notre destin pour pouvoir libérer notre nation. Je dis et je vous remercie, Papa Josué. Merci beaucoup, l'honorable Jean Boissa. Merci beaucoup, Maman Marie-France. Merci aussi au secrétaire. Merci, je vois Maître Lama à côté. Merci au président de DICCS. Permettez que je dise que je remercie la DICCS qui a cesserait d'être ingrat parce que nous, en tant qu'indépendants, souvent on peut agir comme on veut. C'est la DICCS qui a permis que nous puissions entreprendre ce périple dans des conditions difficiles, mais il y a un mot que moi j'aime beaucoup, il s'appelle altruisme. Et l'altruisme, ça signifie agapé, pour ceux qui vont dans les églises, agapé signifie amour inconditionnel. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci aussi, ça, là, je vais le dire là publiquement, comme ça, devant mon micro, qu'un grand merci à l'ambassadeur monsieur l'honorable Mboko. Ben Mboko, merci à toi, parce que son excellence, Ben Mboko, merci à toi. Je crois que les images vont vous rejoindre là où vous êtes, va vous atteindre là où vous êtes. Grand merci, parce que le frère ou la délégation est allé au nom de la communauté congolaise sous la lettre venant de l'ambassade, n'est-ce pas? Donc, il y a un peu moi pour Bakende Kuna. Donc, grand merci à vous et à toute l'équipe qui travaille avec vous. Grand merci à vous aussi pour cela. Alors, nous vous invitons, nous, Congolais, à prendre part à des réunions, à des communications que DICCFA organise. Hein? La communauté congolaise a une organisation. C'est ce qui. Et là, ils ont comme ça en Rwanda. Tenez que vous vivez, vous à part. Il y a bien été contacté le numéro dans notre petit écran, on a une émission à Boloa. Contacte-toi comme ça, identifie-toi, qu'on sache quand même que tu habites dans. C'est moi, Eloko Moko, parce que Eloko, c'est tout ce qui est important. Place Swana, Tokuti, en tout cas, Barolobono, Mboka Mosika, Bako Fanda Kunani, Baolukate, les Kwangana, Namouambwengi. Et sur le recensement que nous avons fait, des personnes qui étaient là, c'est 43 familles, mais ceux qui étaient dans les montagnes, c'est 13 familles avec des enfants. Et au total, si nous prenons les 43 familles times 4 children, 5 children, nous avons au moins 200 Congolais qui habitent dans une petite bourgade. C'est énorme. Je crois que c'est vraiment énorme. Et 3 du Kassai, 3 du Kassai. Mais le reste, Goma, Uvira, Bukavu, Butembo. Donc, vous comprenez que on est attiré parce que c'est mon frère qui est là-bas. Mais Yonanga José Boloa, Tomelaka, Maimoko, il y a Semlik. Donc, c'est pour dire que nous, Congolais, nous sommes appelés à être unis. Hein? Nous aimons l'un à l'autre. Oublions un peu nos indifférences. Maintenant, la xénophobie a attaqué. Nos amis qui étaient coffrés dans un coin donné,
Et gloire au Seigneur parce que les sociaux médias, les informations passent sur qu'ils partout. Imagine-toi si on n'avait pas cette information, on n'allait même pas savoir que nos amis étaient victimes de la xénophobie. Ce qui est vrai, c'était la xénophobie. On ne peut pas mâcher les mots. Hein, c'était la xénophobie, c'est vrai. Mais heureusement, les Congolais ont une organisation qui a fait que ces délégations sont allées assister. Et puis avec la réunion qu'ils ont eue avec l'inspecteur de la police, et nous prions, nous sommes convaincus. Le maire aussi, hein, le maire okay. Et les organisations internationales. Voilà, ils sont là. AHR était impliqué. Donc voilà, Nations Unies étaient impliquées. Donc ils ont saisi parce que c'était, comme on dit en anglais, it went virus all over. Alors ça donne quand même une mauvaise image à l'Afrique du Sud. Alors pour éteindre le feu, voilà pourquoi ils ont essayé un peu. Pour le moment, il y a un peu du calme. Mais on nous dit qu'il y a des coins là, un peu là, les Pakistanais, on menace tout ça. Alors, on va toujours continuer à nous, en fait, à vous communiquer. Les personnes ciblées sont en danger parce qu'elles ne peuvent pas travailler tard la nuit. Parce que même la police a demandé à ce que dès 17h, même les salons de coiffure puissent fermer. Et ceux qui travaillent très tard la nuit sont obligés d'être accompagnés 2, 3 ou 4 et d'être toujours. Ils ont mis un groupe de médias sociaux. Qu'on appelle Congo Zirast. Donc comme ça, si tu es en train de te promener seul, tu ne sois pas seul, mais vous soyez à 2 ou 3 pour que vous ne soyez pas attaqué. Mais on doit rester vigilant. On doit rester vigilant. Merci, cela nous amène à la fin de notre discussion. Aujourd'hui, c'est ça, l'espace dialogue, là, la réflexion et la connaissance rencontrée. L'émission de bonne manière, site de bonne manière, www.congodialogue. Moi, c'est Joseph Boulois. Grand merci à la coordinatrice Francine Game de la Belgique. Merci aussi à toi, Edo, qui était derrière la caméra, Edo Kalala. Hein, merci à toi pour votre temps. Merci au président, au docteur Eli. Merci à Maman Réponse. Merci à l'honorable. Hein, on aura encore beaucoup à parler. Voilà, nous sommes là, enfin. Gardons-nous, restons unis. S'il y a une information, vous suivez, vous êtes à Pumalanga. Vous êtes à Port-Elisabeth, à Cape Town. S'il y a une information donnée, n'hésitez pas à nous communiquer de façon que nous puissions être ici. Vous êtes à Gounoulé et tout. Vous êtes à Strand, hein, là où le coin là, coin, Tembisa, Alexandra, tous les townships, il y a des Congolais peuvent être mariés avec des Sud-Africains. Mais si vous sentez qu'il y a une menace, hein, communiquons-nous et gardons contact. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Prions toujours les uns les autres, aimons-nous, soyons toujours en contact, et oublions nos indifférences pour l'amour du pays, restons toujours unis. On se retrouve à la prochaine. Merci, bye.